Mais par la cape de mes ancêtres, il serait plaisant, pendant que l'aubergiste est à la poursuite, d'attendrir sa servante, la vieille Séraphine. Séraphine! Charmante et jeune Séraphine! Elle ne répond pas, elle m'aura reconnue. Inès! Inésie! Séraphine! Séraphinette! Rien d'un côté ni de l'autre. Mais ça ne peut pas durer comme ça. Sans aimer, à peut-on vivre sans manger? Un cruel destin me livre à ce terrible danger. Ah, vraiment, c'est grand dommage. Je sais dans mon malheur si je souffre davantage de l'estomac ou bien du cœur. Hélas, hélas, oh, nul ne répond, hélas, nul on ne vient pas. Faut-il donc que je renonce à la cuisine, aux amours? J'ai pu m'échapper un instant. Ma tante est sortie et mon oncle s'est endormi dans
Eh, agréable occupation. Bon, pas tant, car il s'agit pour lui de payer une commande à laquelle il est condamné à la suite d'une querelle. Il a si mauvais caractère. Ah, mais c'est ce dont j'ai un rage, moi, depuis 15 jours qu'un regard de ses beaux yeux a incendié mon cœur. C'est à peine si j'ai pu vous apercevoir quelquefois. Il m'avait dit que si je me déclarais à vos parents, il me mettrait à la porte. Oh, sûrement. Mais enfin, il n'y a aucun moyen pour les fléchir. Ah, oh, si vous étiez riche. Ah, mais je ne puis l'être. Manquer d'être prochainement, j'ai un oncle richissime dont je suis le seul héritier. Il est donc bien vieux. Ah, il a 30 ans. Oh, violent. Mais justement, c'est un garçon qui ne se ménage pas, qui se bat en duel, qui court les aventures, autant de chances de plus. On dit qu'un octogénaire se soignerait, se dort l'autre, et ce serait bien plus long. Mais c'est bien connu, tous les vieillards meurent très vieux, il n'y a guère que les jeunes gens qui aient la chance de mourir jeunes. Oh, c'est égal, je ne crois pas que ces raisons-là touchent beaucoup mon oncle et sa femme. Oh, ils sont donc bien terribles. Oh, je crois bien. Écoutez ce bruit argentin. Je connais ce bruit argentin. La roue, la roue, c'est mon oncle qui fonde. Le nom de l'homme, le nom de l'homme. Le nom de l'homme, il fonde l'homme, il fonde l'homme. Le jour. Pas de courage qui survienne. À quel bonheur! Soyez plus loin!
compte encore, rien ne nous presse. Ah, s'il pouvait compter sans cesse, et vivre enfin. Ah, quelle ivresse! Pour deux amants, l'heure pourtant se sonne. Ah, reste encore de grâce, nous avons bien le temps. Oui, nous avons le temps. Pas de crainte qu'ils surviennent. Que tous deux gros entendrements. Oui, quand je t'écoute encore. De ses parents. Alors, rentrez. Qu'est-ce que ma femme dirait? Je pense qu'elle va pas. Puis à sortir, entrez que je vous enferme. Il est gentil. Bien. Oui. J'ai bien mon compte. 200 ducats. Voilà ce que peut coûter un moment de vivacité. Le premier, pour une malheureuse estafilade donnée à mon voisin PRS, la justice. Il m'a condamné à lui payer 200 ducats. Mais non, mais ça vous avez l'air de chier. Il me semble que la reconnaître la femme. Pourquoi me voilà? Comment? À l'heure qu'il est, mon souper est encore dans ce panier. Je rentre à l'instant à la maison, je vais vous arrêter un moment. Eh, à bavarder, une heure, comme ordinaire. Bavarder, comme si j'avais l'habitude de parler inutilement. Moi, si je découvre, monsieur, qu'on ne peut entendre dire de temps. C'est Donna Scolastique, la gouvernante du chanoine Antonio, qui ose et prétendre. J'en suis encore abasourdi. Oui, finissons, que prétendait-elle? Que pour faire une salade, il fallait mettre le vinaigre avant l'huile. C'est cela? Oui. Oh, qu'importe! Non, qu'importe, mais cela ne s'est jamais vu. Depuis qu'il se fait des salades. Pas se passe et le souper ne se fait pas. Oh, mais c'est pas grave, le souper. Le seul point dont j'entends dire des choses pareilles, je ne peux pas me retenir enfin. Le vinaigre avant l'huile. Oh. C'est bien reconnu, et
Bien bavarde, seigneur Alcade. C'est ce qui fait que... Attendez, je parie que je devine. Elle vous a retenu à causer, à parler d'une chose, d'une autre, etc. Juste, juste. J'en étais sûr. Quelle flair. Quelle flair. Assez. Moi aussi, seigneur, j'ai une femme qui passe tout son temps à bavarder. Oh oui, nous avons une femme bien bavarde. Je vous plains, car vous... Il y a moyen de placer un... Comme moi, et qui grille, vous... Vous ouvrez la bouche et vous attirez... Oh, je connais ça, d'autant plus. Et quand on croit qu'elle a fini, elle recommence. Ça, mais vous aussi, ne parle pas mal. Vous dites... Rien. Tiens, voici votre argent. 200 ducats. Merci. Voilà ce que coûte un moment de vivacité. Mais vous comprendrez cela, ma femme venait de m'échauffer les oreilles. Enfin, c'est un peu cher. Ah, vous devez vous estimer heureux d'avoir une affaire à moi. Un autre n'eût pas tranché la question avec la même sagesse, la même adresse, la même délicatesse, la même finesse. Quel alcade, quelle taille. Partout on chercherait en vain un autre alcade plus malin, plus fin, plus fin. Nul ne m'attrape et je réponds que rien n'échappe à mes soupçons, à mes soupçons. Et chaque bandisant, à quel magistrat se prenant, quel alcade de talent. Quelle administration prenant, c'est un cadet vraiment intelligent. Intelligent, persévérant, intelligent, intelligent, persévérant, mais pour savoir. Oh, quelle attire de talent, oh, quelle attire de talent, quel magistrat étonnant. De prendre un délinquant sur le fait et même souvent avant. Avant, il n'est point d'homme plus exact. On me renomme pour mon tac. Quelle fleur! Quel tac! Et chaque bâtiment, à quel magistrat.
sera surprenant, quel bel catéphonant. Ah, quel bel juste sera surprenant, quel bel catéphonant d'intelligent. Intelligent. Persévérant. Intelligent. Persévérant. Et fort savant. Ah, quel magistrat. Ah, quel magistrat. D'un certain rôle qui ne m'échappera pas. Que le ciel vous préserve des fâcheux et des bavards. À votre prochaine affaire, nous vous arrangerons encore pour le mieux. Mon Dieu, les statues-là, de temps en temps, cela roule à mesure des épisodes et la sagesse des magistrats de Enfin, voilà une affaire faite. Rentrons à la maison. Pourvu que ma femme ne se soit pas encore arrêtée à conduire en route. Pardon, Seigneur Chevalier. Vous désirez. Ah, couvrez-vous, je ne dirai pas une parole. Je suis couvert. Seigneur, je suis un pauvre hidalgo. Quoique j'ai vu des temps meilleurs, je suis nécessiteux. Je viens entendre que vous aviez donné 200 ducats à un homme que vous avez blessé. Si c'est pour vous un divertissement, je viens me mettre à votre disposition et je vous demanderai pour cela 50 ducats de moins chose. Parlez-vous sérieusement? Croyez-vous qu'on fasse une telle blessure à quelqu'un sans qu'il le mérite? Oui, mais qu'il mérite plus que la pauvreté. Est-il un sujet plus digne d'exciter la haine et la colère? N'est-ce pas la pauvreté qui cause des délices et des crimes? Larcin, filouterie, abus de confiance, vol, meurtre, assassinat? N'est-ce pas la pauvreté qui est cause du travail, cette plaie de l'abus humain? N'est-ce pas elle qui force les hommes à être douaniers, menuisiers, chaudronniers, charpentiers? Oh là là, comment ce n'est pas assez de ma femme? Par le diable qui m'a envoyé cet homme, après avoir donné 200 ducats à ce bavard d'Alcade, pour cette balade. Une balade, avez-vous dit? Oh, mais c'est ce que Cain donna à son frère Abel. Et quoi qu'en ce temps-là, on ne connaît pas les épées. Remarquez en passant que les blessures se font de deux manières, par trahison et par jalousie. La trahison étant un crime contre le roi, la jalousie contre les époux. Les blessures se font avec des dagues, des hallebardes, des pistolets, des arquebuses, des flèches. Quel papa insupportable, quel discours interminable. En vérité, cet entêté est un parleur bien effronté. Rien n'est moins supportable, non, rien n'est plus condamnable. Oh, qui jamais ne se tait, parce qu'à quête
Sachez que la dame a toujours m'étourdir, paresse, divertir. Certes, je blâme pareille femme à m'étourdir. Elle met son plaisir. Vous savez l'art qu'il faut pour bien faire. On n'a vu nulle part un mortel bavard qui part. Hasard, vous la faisiez taire, aucun don ne pourrait acquitter ce bienfait. L'affaire taire, c'est une affaire, rien ne pourrait payer un tel bienfait. Rien ne pourrait payer, rien ne pourrait payer un tel bienfait. Oh, que de vous je réclame, que vous obligez est mon unique loi. Venez faire taire ma femme chez vous, à quel honneur pour moi. Allons, venez dans ma demeure, je vous suis, je ne vous quitte pas, je veux vous y voir la douceur. Moi, mes malheurs ne durent pas, alors je ne repasse pas sans doute grâce à mon témoignage. Allons, venez, vous ne m'aimez pas, allons, vous ne m'aimez pas. C'est bien certain, ce sera l'affaire d'un tour de main. Je la ferai taire, c'est bien certain, ce sera l'affaire d'un tour de main. D'un tour de main, d'amour qui comble mes voeux, il va lui-même me conduire à celle que j'aime. Il la fera taire, je la ferai taire, il la fera taire, je la ferai taire, je la ferai taire, il la fera taire, je la ferai taire. Je la ferai taire, c'est bien certain, ce sera l'affaire d'un coup de main. La ferai taire, c'est bien certain, ce sera l'affaire d'un tour de main. C'est entendu, c'est entendu, c'est entendu, c'est entendu. Permettez, j'ai un scrupule. Au moment de vous présenter à ma femme et à ma nièce, oui. Mais car j'ai aussi une nièce charmante. Franchement, je trouve peu convenable de vous amener sous ce costume. Vous trouvez qu'il n'est pas assez... Au contraire, je trouve qu'il est trop... Mais clanciers, je vous suis, nommé Roland. Roland, oui, il m'est signalé. Que lui demandez-vous?
l'argent qu'il nous doit. Parfait. Nous faire cette moindre civile et vétour, comme il est dit aux astricoutes. Livre 4, titre 6. Assez. Appelez. Dorbisco contre Roland. C'est moi qui le rase, rase, et je le dis sans emphase. Nul n'est mieux rasé vraiment, nul n'est mieux rasé vraiment. Je lui fais de l'avantage, je le soigne sans relâche, mais après point de paiement. Mais après point de paiement. Le prophète Pierre y met, en tout quoi il comprendrait, il n'est pas de quoi tu fais, en tout cas voilà le fait. En tout quoi, en tout quoi il comprendrait, en tout quoi, en tout quoi il comprendrait. Il comprendrait, 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 il comprendrait. C'est mon bien qui fume, fume, et le tabac qui l'allume, et de bon tabac vraiment, et de bon tabac vraiment. Mais comme mes cigarettes enfumées et la tête d'être s'envolent sans lui paiement, s'envolent sans lui paiement. Notre prêtre clair et net, quand on voit, quand on voit, il est sans toi plus près, quand on voit la le fait. Quand on voit, quand on voit, quand on voit, il faut qu'on quand on voit, quand on voit, il faut qu'on fait, il faut qu'on fait, quand on fait, il faut qu'on fait, quand on fait, il faut qu'on fait. C'est vrai qu'il vote, vote, on le voit rien qu'à ma note, nul n'est mieux voté vraiment, nul n'est mieux voté vraiment. Il prodigue ses paroles, mais le son de ses pistoles, jamais c'est l'art de s'entendre, jamais c'est l'art de s'entendre. Notre fête est belle nette, quand on voit qu'il s'en comprenne, il fait pas du mal plus près, en deux mots, voilà le fait. Quand on voit, quand on voit, quand on voit, il faut qu'on fait, quand on voit, quand on voit, il faut qu'on fait, 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 il faut qu'on fait. Sur ma mule, il trotte, trotte, et plus fier que Don Quichotte, partout il s'en va trottant, partout il s'en va trottant. Mais j'ai beau dire, mon père, je ne puis pour mon salaire obtenir un sou vaillant, obtenir un sou vaillant. Quand on trotte vérité, il faut bien au moins qu'on fait, et qu'on montre sa monnaie, après savoir bien trotter. Quand on voit, quand on voit, quand on voit, il faut qu'on fait, quand on voit, quand on voit, il faut qu'on fait, 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 il faut qu'on fait. Il s'est endormi. Vous nous avez bien entendu. 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 Il faut qu'on fasse. 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 De vos discours, rien n'est perdu. J'ai bien compris, bien entendu. Eh bien, Seigneur, que faut-il faire? Eh bien, Seigneur, que faut-il faire? Il faut l'arrêter promptement. Mais comment? Mais comment? Attendez! Attendez! Attendez un moment. L'homme à qui vous avez affaire, affaire est d'un esprit fin et subtil. Subtil. Dispersez-vous et puis ensuite. Ensuite. Au mot d'ordre, accourez bien vite. Bien vite. Le mot d'ordre, et sera-t-il? Rien. Trouver quelque chose de mystérieux. Oh,
réservé. Guettons. Guettons. Malheureuse cité qui possède un magistrat tel que moi. Voyons. Dehors. À présent, vous avez tout à fait bonne mine. Bien, une sérénade, je la connais. La chanson des créanciers. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font là en avant ma porte? L'alcade. Il s'est endormi avec son greffier. Je vais. Non, ne réveillez pas, je vous demande. Ah, vous avez peut-être raison, il se mettrait encore à bavarder. Les créanciers qui me guettent là-bas, l'alcade qui se met. Thank you.
n'est pas encore mis. Mais... Maintenant, je suis impatient de savoir si je serai agréé par la signora. Ah, je vais à la flatterie. Si vous me trouvez laid, vous pouvez me le dire. Mais si vous me trouvez beau, inutile de m'en faire mystère. Si vous aimez danser, nous danserons. Oui, mais si vous préférez chanter, nous chanterons. Bref, vous trouverez à toute heure, faites à vous plaire, et à vous servir. Oui, c'est ça. Passons à table. C'est le seul moyen de lui fermer la bouche. À table, à table, à table. Thank you.
garçon, il faut s'y mettre avant qu'elle commence. Bavardons, mon cher, bavardons. Ne craignez rien. D'abord, je voudrais manquer les mots. La grâce, la grâce. De quelque chanson. Allons soit, pas pour la chanson. C'est l'Espagne qui nous donne le bon vin, les belles fleurs. C'est pour elle que rayonne un soleil plus chaud qu'ailleurs. La fleur dînée nous dit aimons le vin, vieilli nous dit buvons vieux vins et fleurs naissantes, croyons ses voix charmantes. Quand sur lui le temps se passe, le bon vin. Mais les fleurs, les places effacent, cueillons les dans le préfet. Quelle hôte libérale de Nacoya Nicale, voilà l'idée. Je préfère au plus beau pal, au plus doux madrigal, le plaisir sans égal de parler, d'ailleurs. Mais quand on crie tout la table, est-il donc un plaisir plus fort que de converser un moment long, rien n'est plus agréable, comme me disait mon aïeul. C'est l'expert Nicale, l'homme seul, car sachez que la parole est ensemble ton capital. Nous distinguons de l'animal, ceci n'a rien de frivole, et pour un esprit positif, ce calcul est démonstratif, en réforme de mémoire, en voie des perroquets dans leur naïf caca, et vous demandez à voir, toujours autre mouton, toujours du même ton. J'entendis même un phoque articulé, papa, que ces accidents-là n'ont rien que d'équivoque. Et sans dissimuler, l'homme seul s'est paré comme un courrier jugé, l'homme seul s'est mangé. Mon mari, entre tes bonnes chenilles, lui t'aime. Du tout, il fera ici ses 7 ans. C'est vrai? Pas un jour de moins. Ah, c'est à dire. C'est pas vrai. Oh, mais je vous ai de la passe. Je me retire, monsieur. Inès, suivez-moi. Oh, mais non, non. Bien, mon petit fille. Je... Oh, oh. Il n'est même pas essoufflé. C'est un homme infatigable. Maintenant, je prends le moment favorable pour me déclarer. Mon cher hôte, je dois me dire. Ah, non, non, ménagez-vous, cher ami. Maintenant que ma femme n'est plus là, c'est inutile. Voici ce que je veux dire.
Quel calme. Oh, c'est un calme. Voilà, la tête me tourne. Je désire qu'en ma présence, vous donniez la main à votre voisin Pérez pour prouver que vous êtes amis désormais. Une fois que je n'ai pas de rancune et dès demain... Non, tout de suite. Comme il vous plaira, je vous suis le temps de prendre ma canne et mon chapeau. Hein? Quel adroit prétexte pour m'introduire ici. Dis-moi, tu as le signalement de notre homme? Je m'observe. Bonne percée. Pompons-moi votre percée. Demi-négligé. Une élégance parfaite. Il me rappelle Don Juan que je n'ai jamais vu, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Il y a longtemps que votre seigneurie est dans notre ville. Depuis ce matin, je suis arrivé chez mon cousin Sarmiento. Ah, c'est votre cousin. Et comptez-vous faire un long séjour dans ce pays? Certes, je m'y plais beaucoup, la ville est admirablement tenue. En y entrant, on voit tout de suite qu'elle est administrée par un homme supérieur. Vous exprimez pas moi. Eh bien, je ne vous le cacherai pas plus longtemps, cet homme supérieur, c'est moi. C'est nous. Assez. Vraiment? Eh bien, seigneur, puisque c'est à l'alcalde que j'ai l'honneur de parler, je dois vous signaler un individu dont j'ai fort à me plaindre. Un nommé Roland. Ah bah, oui, il me doit de l'argent, impossible de ne rien obtenir. J'en sais quelque chose. Je l'ai rencontré ce matin, je lui ai rappelé notre dette. Il m'a cherché querelle. Voyez, Moucha. Ah, c'est qu'il ne regarde pas un coup d'épée de plus ou de moins, c'est un gaillard. Eh bien, c'est toi qui lui parleras en mon nom. Il m'a donné rendez-vous le lendemain des remparts, du diable, si j'y vais. Tu iras, toi, avec du renfort. Seigneur, je suis ravi des renseignements que vous venez de me donner sur ce Roland. Oui, figurez-vous que je le cherche et qu'on prétendait qu'il s'était caché dans cette maison. Oh, comme c'est vraisemblable. On ajoutait même qu'il avait pris un déguisement. Avec vous? Cela lui aurait pas servi à grand-chose. Je sais à qui j'ai affaire. C'est un séducteur. Il a une belle passion qui l'amène dans ce quartier. Ah, vraiment? Oui, il fait la cour à quelques belles, à quelques femmes mariées. Hein? Qui est-ce qui fait la cour à une femme mariée? Nous parlons d'un nommé Roland. Roland? À qui en veut-il sur la femme? Je crois voir d'ici ce bon mari qui ne s'aperçoit de rien. Diantre, ceci mérite réflexion. Heureusement, je suis là. Allons, venez, c'est dans Sarmiento. Ne laissez ça ici. Avec un tel soupçon, j'aurais mieux aimé. Mais ne vous gênez pas, mon cher cousin, ne vous gênez pas. Je vous attendrai. Mais venez donc, c'est convenu, votre cousin vous attend. Oui, mon cousin, que je ne connais pas, heureusement il est avec ma femme. Eh bien, je vous suis. Je ne serai pas longtemps dehors. En voilà une parasite. Oui, ma tante. Comment, mademoiselle, vous osez? Madame, il paraissait bien naturel puisque vous avez deviné tout de suite. Mais qu'est-ce que c'est? Mais vous raisonnez, je crois. Aussi, vous aimez quelqu'un, vous voulez vous marier. Me laissez seul sans que j'ai personne avec qui causer un moment. Mais ce bel amoureux, quel est-il? C'est moi. Oh Dieu, mon bavard. Moi qui viens vous demander la main de la señorita Inés, votre nièce charmante, ici présente et consentante. Oh, maudit parleur, quel démon te fait présenter encore devant moi? L'amour. L'amour. L'amour le plus pur, le plus vif, le plus sincère. Oh, te tairas-tu? À une condition. Parle. Et si tu peux t'expliquer en deux mots, je t'accorde ce que tu demandes. Sa main. Tu veux l'épouser? Consentez, je vous débarrasse de ma présence. Sans quoi, comme votre mari vous l'a dit, je resterai ici 7 ans. Oh, 7 ans? Oh, pour les métiers, je me marierai toutes les nièces du monde. Mais mon très cher époux, consentira-t-il, lui, hein? Lui, oh, je m'en charge. Après le service que je lui ai rendu. Oh, quel service? Eh bien, de vous faire taire. De me faire taire? C'était donc un complot! Oh, il me le paiera! Oh. J'ai votre parole? Oui, mais je veux me venger d'abord! Mais c'est possible! Mais comment? J'ai un moyen! Et lequel? Ne rien dire! Taisons-nous! Pas un mot, agissons avec adresse! Vous verrez! Et bientôt, l'effet de ma promesse! Agissons! Trouvez la vengeance! Excellent! Thank you.
et surtout du silence. Chut, ah, pas un mot. Taisons-nous. Taisons-nous. Agissons en amico. Agissons en amico. Pas un mot. Pas un mot. Taisons-nous. Pas un mot. Agissons la bête adresse. Vous verrez. Et bientôt. Et bientôt. Ah, voilà mon homme. Selon vous, c'est
tu t'aurais compté et tu n'es porté le trouble dans ma maison. J'ai des preuves, oui. Lui aussi. Un général calme vous arrive bien. Oh, vous avez tant de tact, vous me ferez rendre justice. Pardon, vous m'entendrez bien. Hein? Deux, quatre. Oh, mon petit fils me ferme la tête. Oh mon Dieu, j'ai cru que j'étais muet aussi. Prenez ces arriétaux, ne prononcez pas un mot. Et je livre entre vos mains l'homme que vous cherchez. Alors, oui, les hommes. C'est moi. Lui, je m'en doutais. On l'arrête. Ce n'est plus nécessaire. Écoutez, parce que j'ai de la manie de bavarder. Oh, mais ma femme aussi aurait bien besoin de lui. Oh, mais nous arrangerons. J'irai dîner chez vous, je souperai ici. Soit, c'est convenu. Eh ben, va pour le souper. Je me rattraperai le reste de la journée. Il est un bruit plus doux encore que celui des tambourins. Que celui de la mandore et les signaux de nos refrains. C'est le bruit de vos rapports, de plus joyeux échos. Au gré de notre attente, et-il voix plus charmante.